Agneau sacrificiel, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. C'est quoi ce bordel? Hé! Arrête ça! Hé, hey, Yankee. T'as un nom? Léon. Pas bavard, hein? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi, on a mal choisi où passer nos vacances. Hé! Hey, arrête, ok? Tu bouges, je bouge. J'ai déjà assez morflé pour ça. Ok, je vois ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein? Je parie que t'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi deviner. Peut-être tu cherches une señorita? Une jeune fille. Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmenaient? Où ça? Qui sait? Mais après, j'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Merde. Eh, n'arrête pas, c'est pas une vie. Où est-ce que tu vas? A plus, amigo. Merde, mon équipement. Condor 1 à Perchoir, j'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien. On progresse? L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet? Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Vivoy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique avec le chapitre 2 de Resident Evil 4. Évidemment, on n'oublie pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir, évidemment. On va découvrir un petit peu tout ce qui vient de se passer. On vient de rencontrer Luis, qui était attaché dans un sac. Voilà, dans un sac à patates, tout simplement. Et donc, on est parti. On va sortir de ce guet-apens, sachant que je n'ai plus d'armes sur moi. Vous l'avez, je pense, compris. Allez, c'est parti. Une herbe verte, ça, je prends bibiche. C'est très, très bien. Point trop, n'en faut. Donc n'oubliez pas qu'il n'y a plus de trucs qui brillent. Maintenant c'est visible, c'est dans des objets. Ok. Ok, on essaye de checker un petit peu partout. Très bien. Oh, oh, un couteau, superbe. Superbe, superbe, superbe. Très bien. Ça, c'est fait. Attends. Il y a une boîte. J'ai toujours l'impression que ces boîtes là c'est du loot. Là, on a une pelle. Ok. Oh, il avait un autre couteau. Eh, c'est à moi, ça. Ok. Notre stuff est là. Très bien. On va attendre de voir s'il se retourne, le monsieur. Agarrando.
Ok, superbe. Superbe. Ok. Très bien. Ok. Oh, ça je prends. Ok, je suis moyen serein. Oh, Saphir high-tech it. Ça donne de la bouffe, ça. On peut l'avoir ? Vraie question. Ouais, je crois pas. Allez, vas-y, on bouge. On bouge, on bouge, on bouge. Wow ! Des pièges. Très bien, ça. Ça, c'était à l'ancienne. Ça, j'ai appris à l'ancienne. Ok. C'est par ici. Cascade. Ok. Ouh, ça c'est fait. Régale-moi. Très bien. Alors, on va essayer de tout checker, hein. Je veux rien perdre. Resident Evil 4, c'est aussi avant tout un jeu de recherche. Ah, on a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Ça ouvre une porte. Ah, ça ouvre une porte de l'autre côté. Très bien. Ok, go. Go, go, go. On va essayer de faire vite. Ah, ça, c'est nouveau, ça, je crois, hein. Oh, je sais même plus ce qui est nouveau, ce qui n'est pas nouveau. C'est terrible. Les pièges à loups, c'est bon. Cascade! Superbe, let's go! On récupère tout le stuff, les amis. Je récupère tout ça. Ok. Ah! Ah! Alors là, les clés, par contre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Allez, on déverrouille. Et on y va. Ok. Il m'a fait trop peur. Oh là là, il m'a fait trop peur, frère. Par ici, étranger. Welcome, stranger. Ok. Donc, s'il y a un truc à petite clé derrière, c'est qu'il y a sûrement une petite clé qui doit traîner un peu dans les parages, non? Je m'égare peut-être, je ne sais pas. À voir, wait and see en tout cas. Ok, on va refaire un petit tour. On va pouvoir faire des affaires. Débarrassez-nous des rats qui ont élu domicile dans l'usine. Nous ne savons pas s'ils sont porteurs de maladies, mais vaut mieux prévenir que guérir. Exterminez tous les rats, usine désaffectée, Spinel 3, progression 0. Waouh, ok, c'est les mecs... C'est les rats qu'on a vus juste avant, là, l'usine, là, non? Comment avancent les roquettes? Savais-tu que tu pouvais échanger les spinels que tu reçois en récompense contre des objets de valeur qui ne peuvent pas être achetés autrement? Parmi tous les objets utiles que nous avons, je te conseille surtout de prendre une carte au trésor. Ces cartes indiquent des emplacements de trésors cachés de la secte. Il nous a fallu un paquet de temps pour réunir toutes ces informations. Avec ces cartes, on poche à toi la liberté financière. Waouh, seul bémol, tu devras t'aventurer dans des zones dangereuses pour mettre la main sur ces trésors, mais rien d'insurmontable pour toi. Ah ouais. Ok. Ok, 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 ok. Très bien. Ça, on casse. Let's go. Les rats, oui, voilà, faut faire les rats. Allez, on save, let's go. Prêt à on est bon. Ici. On va faire les rats vite fait. Il me semble, j'ose croire, c'est les rats qu'on avait vus là. Il y avait un rat là, non? Il est où ce bâtard? Yes, ok. Dératisation. Putain, mais ça c'est nouveau. Il y en a un là. Let's go. Let's go. Yes. Mission complete. Ok. Il est heureux, frère. Leon, il est heureux d'avoir tué 3 rats. Ok, super. Ça, c'est fait. On va avoir une récompense. 3 spinels. On va voir un peu ce qu'on peut s'acheter avec ça. Si j'ai bien compris, il y a un système alors, d'échange aussi. Terminé une roquette. Hein. Ah. Bienvenue.
Un travail bien fait. Let's go, bien joué, étranger. Dératisation. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Ok. Alors, déjà, attendez, j'ai des choses à vendre. On est d'accord. Clé de la cave, ça se vend ou pas? Je pense pas. La clé de la cave de la maison du chasseur. Et n'importe quoi. Collier sale, ça se vend. On peut pas le nettoyer, me semble-t-il. Bleu velours, ça se vend. Le pichet, il est rempli, ça se vend. Saphir, combinable avec certains trésors, on garde. Émeraude, combinable avec certains trésors, on garde. Très bien. Eh ben, écoutez, on... Merci. Super. Échanger. Oh, le Punisher. Un faible recul et un excellent pouvoir personnel. On adore nos herbes, ça, oui. Guérir un homme, tuer un homme. Carte au trésor, village. What? Un viseur laser. Ok. Ah, mais 10 spinel. Une carte au trésor de A, t'as ça coûte que 1. Faible pour les trésors. Ah, mais c'est ok de fou. T'as bien raison. Ok, le couteau peut être réparé. Lance-carreau, donc l'arbalète, I suppose. Un sniper, trop bien. État. Je une te lunette, promets. Un spray. Ah, extension. Et c'est quoi ça? Permet de fabriquer avec de la ferraille et un couteau. Ok. Bon, clairement, extension un mallette. De place ne première peut chose pas à faire. De mal. Cette première taille chose devrait à faire. Te convenir. Pas de place? Pas de place? Comment c'est possible? Ah, ok, je comprends comment c'est. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Écoutez, fabriquer, on va faire ça. Voilà, on est très très bien. Fabriquer, on va faire ça, évidemment, la base. Hop, et cette cartouche, c'est pas négligeable, les amis, je vous le dis. Ok. Très bien. Hop. Ah non, le couteau, il va aller là. Normalement, le sniper, de mémoire, il ne prend qu'une longueur. Ah, on est d'accord. Allez, sniper, la base à tes ennemis de loin, en leur collant une balle en pleine tête. J'aime bien. Ah, tiens, prends ça avec. Offert par la maison. Oh, offre limitée? Ne sont valables que pour les chapitres durant lesquels... Quoi? Oh putain, frère! Tiens, étranger. 100% de remise! Merci, mon ref! C'est incroyable! Ok. Oh, ça, t'en auras pour ton argent. C'est un vrai frère. Garanti. Réparer le couteau 8000 pesetas. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, ah, d'accord, y a-t-il okay, quelque chose de plus beau? Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Et voilà. Ok. Je pense que le rechargement pour un sniper, ça me paraît pas mal. Écoutez, on a fait tout le tour. Quand tu veux, surtout. On a fait tout le tour. Je suis extrêmement content de ce qui vient de se passer. Là, on a un mécanisme. On n'a pas la clé. Très bien. Oh... Je suis déjà allé là? Je suis déjà allé là. Oh. Ok. On va passer où est-ce par que je suis ici. Superbe ça. Superbe. Oh non, c'est pas possible d'être aussi mauvais! Oh le monstre! Ok. On va se calmer! Oh putain, je crois que c'est le passage le plus terrible de ma carrière. Quoi? Elle s'est relevée? Ah non. Oh non! Oh le FOV, ce passage du marais. Attendez, bougez pas. Hop, ça là. Et envoyer au coffre. Non, mettre en raccourci par contre. Oui. Voilà. On est bon. Ah, lunettes.
Ok. Oh. Ok, super de ça. Oh, ça va être tellement dur pour les boss à pustule à la fin. Ok. Les amis, préparez-vous. Ça va être chaud. Ah ! Hop ! Ça, c'est fait. Oh putain, ça m'a utilisé un couteau. Ok. Ah ! Oh. Oh. Oh la vache. I am not serein. Ok, mets les potes. Oh, il y a trop de boue là. Oh les bâtards. Oh, c'est dur. Ouh, ouh. Ok. Oh non. Oh les gars. Ok. Ok, c'est chiant, hein. C'est quoi, ça commence à être chiant là tout ce qui se passe. On va passer ici. Ok, pas mal. Wow. Tu fais quoi, frère? Non. Attends. Stop, pause, 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 pause. Gâche. Oh mais c'est pas vrai. Okay. Au devant. Allez, c'est fait. Hop, on redescend bas. Oh non. Ah. Oh la vache. Ok. Oh la vache. Ok. Ah. C'est pas vrai. Oh non. C'est chaud de fou. Ça redonne de la vie, ça. Incroyable. Incroyable. Non, frère, pas plus. En fait, j'ai plus de cut. Et la vie est dure sans couteau. Parfait. Oh là là. Oh non, je suis plus. Fils de pute. Oh là là. Oh là, je me fais savater la gueule. Non mais arrête, frère. C'est drôle. Wesh. Ok. Oh, fils de pute. Là, c'est trop, frère. Oh! On est submergé par les émotions. Oh.
voilà, ça commence à faire beaucoup tout ce que j'utilise, hein. Non ? On est d'accord. Ok. Bâtardos. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est chaud. C'est chaud de fou. Ok. C'est chaud de fou. De fou. Cascade. Ok, il y a des casiers. Ok. Suplex. Ok, casier. Hop. Oh, il est là, ce jeteur de dynamite. J'arrive, mon pote. Oh non. Il est beaucoup trop fort. Ok. Très bien. Wow. On peut se calmer ou pas là? Ok, on va fouiller partout parce que là je comprends rien à faire. C'est terrible. J'en perds ma salive. Eh ben... Ah, c'est bien aussi le silence, hein. Putain. Excusez-moi, mais what the fuck, les amis. C'est David Lafarge, quoi, hein. C'est... Wow. Ça swing, hein. Ça swing de fou. Encore? Non, tu déconnes, là. Ok, poudre noire. Qu'est-ce qu'on a là? Un rubis. I take it. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est? Ok. Allez, on réouvre la porte pour pouvoir partir. Oh putain. On est bon. Parfait. Exactement comme je le voulais, comme je le voyais. Il a pas pu survivre à ça, hein. On est d'accord. On est d'accord. Eh hey, mais par contre, ça se coupe en deux et tout là, hein. C'est hardcore. Oh, c'est dégueulasse. C'est trop bien. Ok. Là, il n'y a plus rien parce que j'ai fouillé à l'arrache. Ok, on est bon. Là, il n'y a plus rien. On est bon. Ah, il y a le petit clocher là. Je crois qu'il y avait un bail là-haut, non? Là, il n'y a plus rien. On est bon. Très bien. Là, on a fouillé tous les casiers. Ok, superbe. Bon. Finalement, garder des portes fermées, c'est bien aussi, en vrai, je trouve. Allez, super. Emblème hexagonal. Okay. Ah, on a quelque chose ici. Je n'y étais pas allé. Superbe. Quoi? Quelqu'un qui sort des shots, là, ou quoi? Les gars? Oui, oui, oui. Tu viens d'où, toi? Allez, ça dégage, flemme. Ouais, play. Attends, tu viens me suivre là? Non, elle va pas me suivre. Elle va pas me suivre, les amis.
Elle va pas me suivre. C'est bien ce que je pensais. Ok. Bon, écoutez, waouh, j'en ai salivé. Alors, rotation. Ok. Attends, quoi? Ah! Ok. Bah, c'est comme ça, alors. Non? Je suis tombé. Voilà. Waouh, waouh, il y a une énigme dans une énigme. T'as jamais vu ça, mec. Putain, ils étaient au point de la technologie. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Une autre porte, en fait. Une autre porte, en fait. Ok, superbe. Bon, on est pas mal. Est-ce que clé de la cave? Il y a un problème. Il y a pas de. On va aller tout fouiller. Moi, il y a le doute ma bite. Excusez-moi de le dire. Yo mon ref. Mais j'ai dû oublier quelque chose. Wow, il m'a fait trop peur. Attention, ça a pété. Je lui avais dit. Qu'est-ce que c'est? Ça a pété. Je l'avais dit. Ok. J'ai forcément oublié quelque chose. S'il y a eu un état d'alerte comme ça, c'est que forcément... Peut-être où on peut trouver les... Bah les clés. Il y a quelque chose à ouvrir. Peut-être là, non? Non. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Les casiers me semblent... très justes en soi. Pour y trouver petite clé. Non, je ne sais pas. Ah, j'étais pas venu là. Let's go. Let's go. Double let's go. Et là, et ça met nous. Incroyable. J'étais pas venu. Voilà, il y avait une petite annexe. Je l'avais. Comme quoi, il faut bien fouiller, comme je vous ai dit en début d'épisode. Resident Evil 4, c'est aussi un jeu d'exploration et de recherche. C'est ce qui changeait de tous les autres Resident Evil, où il n'y avait pas tout ce schmilbrick, comme on dit, dans le milieu. Donc on s'est fait pas mal d'argent, on s'est fait une clé. Alors, est-ce que la petite clé ouvre uniquement ça? On peut passer là? Ouais, on peut passer. Ou pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez, un accessoire, un flingue, un lance-roquette. Oh! Masque élégant, c'est pas mal. On va sertir tout cela de diamants. Ok, et là, je suppose, évidemment, c'est toujours carré. La roue, elle est pas carrée. Très bien. Eh bien, écoutez, nous sommes pas trop mal, je pense. On va pouvoir y aller. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on a là, mon ref? Qu'est-ce qu'on a? 8000 pesetas. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? 8000 pesetas. La capacité de peut-être du... Ces armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. En vrai, je sais que dans Resident Evil 4, ça sert à rien de faire le rat. Parce que pour le coup... vrai rechargement, hein. Ça sert à rien de faire le rat parce que pour le Est-ce coup on trouve pas mal d'argent, c'est plutôt sympa clé, hein. Et surtout avec les trésors, ça rapporte plutôt bien. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi en tout cas il m'a énormément plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde, bye bye. Regardez-moi ce Leon S. Kennedy déterminé.